Alors, bonjour, Marie-Josée Mascotte, professeure à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler des forums sociaux mondiaux, entre autres parce que je reviens de Tunis, où a eu lieu le Forum social mondial 2013, donc après plusieurs éditions de cet événement à l'échelle transnationale. C'était en fait du 26 au 30 mars dernier à Tunis, en Tunisie. Et donc, l'idée, c'est un peu de faire un retour sur ce Forum social mondial, mais aussi de penser plus largement la pertinence des forums sociaux mondiaux. Alors, d'abord, ce que je voulais peut-être mentionner, c'est que, comme plusieurs, j'avais un certain doute à participer à une autre édition des forums sociaux à l'échelle transnationale mondiale. Parce que, dans un sens, j'avais senti un certain essoufflement et un questionnement depuis de nombreuses années, à savoir quelle est la raison d'être, quels sont les bénéfices d'un tel forum, d'un tel événement qui prend énormément d'énergie, énormément de temps, énormément d'engagement de la part d'organisations et de militants un peu partout à travers la planète. Et donc, mon constat, très heureuse d'y être allée, je vais dire ça d'entrée de jeu, parce que, en fait, je pense que la participation massive dans une région comme celle du monde arabe à ce moment-ci est en soi extrêmement significative, extrêmement importante et souligne un des atouts que peut permettre un espace comme celui du Forum social mondial. Donc, on parle à Tunis de 54 000 participants qui se sont inscrits et rendus, qui ont pu participer à un ensemble d'événements. En fait, il y avait environ 1000 ateliers et activités de toutes sortes qui ont eu lieu sur le campus El Manar à Tunis, des événements militants, toutes sortes d'organisations, de groupes et de curieux. Évidemment, il y a toujours aussi des individus qui ne sont pas nécessairement affiliés qui peuvent participer à ces forums-là. Puis je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important et significatif à souligner, puisque quand on pose la question de la pertinence, je pense que c'est aussi extrêmement utile pour permettre cette ouverture-là à des gens qui, oui, se posent des questions puis remettent en question le monde dans lequel on vit, les politiques néolibérales qui sont effectivement un des grands atouts des forums sociaux, je pense, c'est d'avoir réussi à remettre en question. Puis aujourd'hui, il n'y a plus ce discours sur le bienfait des politiques néolibérales, mais au contraire, une remise en question de part et d'autre par les gouvernements, par les citoyens, un peu partout à travers la planète. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on a mis de côté ces politiques-là, mais il y a certainement une remise en question, une critique très, très, très forte de plusieurs milieux et même des milieux entrepreneur d'ailleurs. Donc, c'est certainement un atout de ces forums-là. Et ça demeure pertinent puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui y participent. Peut-être dire d'entrée de jeu qu'il y a effectivement une importance significative du forum cette année parce que ça s'est passé dans le monde arabe, un monde en ébullition, en effervescence, qui a connu depuis décembre 2010, si je ne me trompe pas, ce qu'on a appelé le printemps arabe, mais qui est en fait un processus de changement à moyen et même à long terme, qui est en cours, les gens sont en lutte. Et pour moi, c'est ce qui m'a convaincue en fait d'aller au forum cette année pour dire « je veux rencontrer et entendre de vive voix ces femmes, ces jeunes, ces militants tunisiens, tunisiennes, mais aussi nord-africains qui vont probablement être là en beaucoup plus grand nombre puisque les forums sociaux mondiaux, c'est d'abord la participation locale qui permet de mettre en œuvre ces activités-là, ces grands rassemblements militants et qui nous permet de connaître exactement les luttes de la région. » Les gens de la région, d'entendre ce qu'eux vivent, ce qu'eux sont en train de mettre en œuvre, quelle est leur expérience des changements sociaux, des frustrations, des limites, mais aussi des espoirs et des initiatives qui sont mises en œuvre. Et ça, c'était extrêmement riche. On avait un peu la crainte de dire, est-ce que les gens vont oser venir dans cette région du monde dans un moment où il y avait certaines tensions, effectivement, et l'appel a été lancé et très bien reçu par les organisations à travers la planète. Il y a eu énormément de participants et ça, en soi, c'était très riche d'expériences, d'apprentissage mutuel. Pour moi, premier pas en Afrique, dans le continent africain et bien sûr dans le monde arabe. Donc, très, très, très intéressant. Maintenant, si on pose la question, peut-être mentionner le courage, le besoin de parler et de partager les expériences, surtout des femmes tunisiennes qui étaient là, qui étaient présentes de toutes
les classes sociales, de tous les secteurs de la société civile, des étudiants, des jeunes qui étaient très présents, des syndicats, bien sûr, qui sont très bien organisés dans le cas tunisien, qui voulaient partager leur expérience, mais qui voulaient aussi parler d'égalité, de dignité, de justice. Donc ça, c'était très présent et c'était très révélateur, je pense, de l'importance d'un espace comme celui-là où on peut rencontrer, partager les expériences. Sur la question de la pertinence et de l'avenir des forums sociaux, je pense que là, comme je disais, oui, il y a une raison d'être, mais ce n'est certainement pas ni aux chercheurs, ni probablement encore moins aux membres du Conseil international qui est souvent remis en question par plusieurs qui ont participé et suivi les processus des forums sociaux mondiaux depuis le départ en 2001 à Porto Alegre au Brésil, de répondre à cette question-là. Pourquoi je dis ça? C'est parce que effectivement, tant qu'il y aura des gens qui s'investissent, qui s'engagent et qui mettent tant d'efforts, de temps, d'énergie, de ressources humaines et autres pour organiser ces événements-là, bien, en soi, ça indique qu'il y a un besoin, qu'il y a un attrait encore de ces forums-là et qu'il y a une pertinence. Puis la pertinence, elle est multiple, selon qui s'engage, qui s'implique, où ça a lieu, à quel niveau ça a lieu, à l'entour de quelle thématique. Donc, cette année, certainement qu'à Tunis, la révolution, rébellion dans le monde arabe était en soi extrêmement pertinent et un lieu de rencontre essentiel. Donc, ce sont les militants d'abord, les organisations, les individus qui s'y rendent, qui justifient la continuité des forums sociaux, peu importe si les premiers initiateurs de ces événements-là considèrent que c'est ou non pertinent. Je dirais même, au-delà de ça, que c'est extrêmement pertinent pour ceux et celles qui n'ont jamais eu l'occasion de participer à un espace comme celui-là. Pour ceux qui se sont jamais rendus, qui participent pour une première fois ou une deuxième fois, ça demeure un espace extrêmement riche d'expériences, de rencontres, de participer à ces ateliers, de rencontrer des gens qui ont lu, qui ont entendu parler, dont on a lu les analyses, mais qu'on n'a jamais pu vraiment dialoguer, mettre en pratique, voir qu'est-ce que ça donne concrètement quand on se rencontre face à face dans des événements comme ceux-là. Ça rend une couleur, une dynamique tout à fait différente et ça permet, comme plusieurs analystes l'ont nommé, mais aussi participants, de recharger les batteries. C'est extrêmement exigeant de participer dans toutes sortes de mouvements au niveau local ou au niveau de l'État ou au niveau de l'Amérique du Nord, de l'Afrique du Sud, etc. Mais ces événements-là sont effectivement un ressourcement, un échange très, très riche qui permet de continuer les luttes, quelles qu'elles soient, dans les milieux dans lesquels les différents individus évoluent. Donc, en ce sens-là, ça me semble pertinent et ça me semble pertinent parce que les premiers intéressés continuent à y croire et à vouloir ces forums-là. Que ce soit essentiel au niveau international, transnational, de façon annuelle, je pense que la réponse a été donnée aussi par les participants, les organisateurs, parce que on voit l'importance de repousser et de considérer très stratégiquement où on va situer ces forums-là, à quelle échelle, et est-ce que ce sera à chaque année, aux 2 ans, aux 3 ans? Bien ça, ça fait partie des discussions constantes qu'il y a à l'intérieur des processus des forums sociaux. Finalement, pour terminer, une expérience que je voulais partager, c'est celle d'UniAlter. Quand on parle de la pertinence des forums sociaux, pour moi, c'est beaucoup pour ces nouveaux participants. Et je pense que les délégations d'UniAlter, qui est un réseau finalement de chercheurs, profs, étudiants et organisations de la société civile qui a été fait dans les dernières années, principalement avec le YMCA Montréal, pour permettre à des jeunes et des moins jeunes de participer à ces événements-là dans des délégations conjointes. Alors, on a mis ensemble ces initiatives-là, principalement l'initiative de Raphaël Canet, du YMCA Montréal, Katerina, pour dire on veut qu'il y ait un ensemble de secteurs de la société civile, du milieu communautaire, des mouvements étudiants, des jeunes étudiants et autres qui sont engagés, qui sont intéressés de participer ensemble à des délégations pour pouvoir échanger leur expérience, pour pouvoir vivre ça de façon commune. Et donc, ce qu'on a vu avec les délégations d'UniAlter auxquelles j'ai pu participer, c'est effectivement une ouverture sur le monde, une ouverture sur le monde militant, un questionnement extrêmement important
où on part de l'université pour ce qui est des étudiants dans les livres, dans la théorie, vers la pratique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire quand on critique les politiques néolibérales? Quel est l'impact que les militants d'Amérique latine ou d'Afrique peuvent partager? Et donc, on comprend concrètement qu'est-ce que ça veut dire le rôle des minières canadiennes dans ces pays-là. Qu'est-ce que ça veut dire l'utilisation des OGM, l'accaparement des terres dans ces pays-là et chez nous? Et ce qui est très, très, très intéressant, c'est le partage des expériences vécues à l'intérieur de ces forums-là, les processus préparatoires qu'on permet avec les délégations et l'expérience, la richesse des discussions qu'on a post-forums sociaux. Alors, dans ce sens-là, on a vu et on continue à voir la pertinence de ceux qui ont participé en 2008, en 2009, qui sont aujourd'hui encore impliqués dans toutes sortes d'organisations au niveau communautaire, au niveau étudiant, au niveau de la recherche, au niveau de la coopération internationale. Ces étudiants et ces participants de société civile ont permis de créer des réseaux qui sont encore en place, qui ont encore des échanges et qui montrent que ces jeunes-là sont aujourd'hui impliqués dans leur milieu, selon leurs intérêts propres, mais certainement des passionnés qui continuent de croire en un autre monde et de construire des alternatives. Alors, voilà, en gros. Merci beaucoup.